Hey, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Armstrong, on joue ensemble à Metro Exodus. C'est la 10e vidéo déjà. Donc, alors, on en est où? Je sais plus exactement. Donc, on doit aller au terminus, je crois. Il y a deux, trois petites bricoles annexes à faire. Donc, je sais pas si on pourra tout faire. Bah non, on pourra pas tout faire en même temps, de toute façon. Donc, on va voir dans quel ordre on les fait. Alors, on est où déjà? Très bien, on est là. Donc, il faut aller. Il y a un nounours à récupérer. Il y a les points d'interrogation et le gros trait, c'est le terminus. Et le point d'interrogation, c'est pour utiliser la clé que les comment dire, les gens qu'on a délivrés nous ont donné. Donc voilà. Voilà. Ok. Allez. Donc les amis, pour les nouveaux venus sur la chaîne, on va prendre l'arme là. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Pourquoi il veut pas? Ah, voilà. Activer la cloche de notification. D'accord, je sais plus comment ça marche. Si la chaîne vous intéresse, bien entendu. Pour cette vidéo, bah, un petit pouce qui fait du bien, qui fait plaisir, le commentaire. Je réponds à chaque fois. Si vous voulez partager cette vidéo, allez-y, je vous encourage. Et bah, je vous dis très bonne vidéo, portez-vous bien les amis, et à très bientôt. Donc le problème c'est qu'ici, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, et il m'agace. Je m'en rappelle pas que j'étais passé à un endroit qui avait autant de. Non, on va essayer de. On va essayer de tracer un petit peu. Voilà, parce que là je suis en train de bouffer beaucoup de munitions, j'ai l'impression. Bon, il y a beaucoup d'ennemis. Ça m'agace beaucoup. Je vais pas m'en cacher. Et en plus, on est quand même. Je trouve qu'on est super faible. On est super faible. Ah, d'accord. Bah, pourquoi je peux pas le prendre? D'accord. Je peux pas me soigner. Tout va bien. Bon, allez, on s'en va. On s'en va. On va essayer de se planquer là-bas, là. Donc là, il y a un petit peu d'eau, on va éviter. Donc le problème, c'est que les munitions sont pas illimitées. Hein. Donc, alors normalement, l'endroit là, à court, bon sang. Magas, j'ai bouffé une trousse de soins pour faire enfin, un petit truc de soins pour rien. Bah, il se barre du coup. Ok, alors là, est-ce qu'on a quelque chose à récupérer? Je ne sais pas. On est déjà venu ici, donc normalement il n'y a plus personne à tuer. Faudrait que j'arrive quand même à accéder à une zone où il y a du monde à dégommer. Ça serait bien. Donc ici on est venu, on a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. Voilà. Donc il n'y a plus rien, malheureusement. Il n'y a plus rien du tout. Très bien, donc on va aller ici. Donc, il y a l'endroit là-bas où il y a le fameux ours en peluche. Non mais super quoi. D'abord moi je fais ça déjà. Voilà, on va se protéger. Alors, est-ce qu'on peut... Non, c'est pas celui-là. Ben non, on peut pas. On ne peut pas. Donc on est un peu dans le caca. Et ça m'agace beaucoup. On va déjà se reposer, si ça peut nous aider un peu. À changer un peu la donne. On va se reposer. Voilà. On va aller voir avant de faire le terminus, parce qu'on a plus beaucoup de. On a plus beaucoup de munitions, etc. J'aimerais bien essayer d'explorer les alentours.
en espérant du coup que je me fasse pas avoir. En fait, le terminus, il est juste l'endroit où on voit qu'il y a l'air bleu, juste en face de nous, là. Qu'il faut aller là. Mais j'aimerais bien aller sur la droite pour essayer d'explorer et récupérer du matériel. Pour être prêt pour l'endroit là, parce qu'à mon avis, il doit être sympathique. Mais sympathique pas dans le bon sens. Et en plus, il y a plein de bestioles dans l'eau là que je déteste. En plus, là, du coup, on a pas bien joué parce qu'on a plus qu'une. Alors, là. Donc là, on a quand même pas mal de mun. Je vais prendre celui-là. Parce que celui-là, à bout portant, il fait très mal. Donc. On est ici. Et je vais essayer d'aller à droite. Tout de suite. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer d'aller à droite tout de suite. Le terminus, il est en face de nous. Mais moi, je vais m'en aller. Tout de suite à droite. En espérant pas me faire plomber. Voilà, donc il y a un quai ici. Voilà, donc on a vu que... Oui, c'est bon, allez. On a vu où était le terminus. Donc on sait que là, on pourra récupérer les barques, on se casse. Voilà. Voilà. Donc on va essayer d'explorer ici. Voir si on peut pas récupérer quelques 2-3 petits trucs sympathiques. De toute façon, il n'y a pas... Là, on n'est pas pris par le temps, il n'y a pas de timing, il n'y a pas... Voilà. Donc, si on peut récupérer 2-3 éléments à droite, à gauche, on va pas se priver. Donc il y a des corbeaux. Ah, des corps. Des cadavres. Je vais pas me réjouir qu'il y ait des cadavres, mais... Voilà. Ça, ça fait plaisir. Trouver un peu d'items, parce que là, là, on est vraiment charrette de chez charrette. Le problème, c'est que je pense qu'on n'est pas encore assez développé pour arriver à amasser beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a des... par la suite, des compétences pour... ramasser plus d'objets en même temps. Enfin, plus de quantité d'objets. C'est souvent que comme ça qu'ils font dans les jeux, là. Voilà. Donc voilà, on récupère 2-3 bricoles. Ça fait plaisir. C'est ma dernière cassette, alors je vais devoir économiser. Donc là, on sait qu'il y a une cachette supplémentaire. Ce soir, voilà. Lors de la réunion du conseil, ouais, oh. Des gens de lapin chien, je sais pas. Bizarre. Ok. Je sais pas trop où aller en fait. On va explorer. On va explorer, on va essayer de, bah, de trouver le fameux ours en pluche. Donc ça, c'est cool, on trouve 2-3 trucs par-ci, par-là. Qu'on va pouvoir recréer un peu des munitions, des... Il y a carrément des carcasses. Des corps à droite à gauche. Alors, avant. Donc j'essaie vraiment d'y aller. Voilà. C'est vraiment d'y aller doucement mais sûrement, comme on dit. Allez. Et en plus, je viens de remarquer seulement maintenant qu'avant on avait 9 cartouches par chargeur, on en a 18 maintenant. Donc c'est quand même pas mal sur cette arme là. En fait, c'est notre arme qui peut nous servir vraiment, on va dire tout le temps, parce que c'est la seule arme pour l'instant où on peut, on va dire, créer facilement des munitions. Les autres, on peut créer un petit peu, mais c'est pas évident.
Là, c'est l'inconnu total. D'accord. Donc là, il y a du monde. Donc là, il y a des... Ah oui, ok. Il y a des gens de mutants, là. Méfiance. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je suis monté pour rien. Bah oui. Voilà, super, il n'y a rien. Je pensais qu'il y aurait eu un petit coffre ou quelque chose, mais non. Donc... Allez, on repart. On va voir si on peut récupérer des choses sympathiques. Donc le jeu est vraiment vaste. C'est vraiment... ouais. Tu prends ton temps, tu te balades. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une ou deux vidéos où je me suis égaré, que j'ai voulu aller trop vite. Ça, c'est le... C'est les aléas de la découverte du jeu. Alors, faut aller où? On vient de là. Donc là, il y a du baraquement. Peut-être faire gaffe. Non, bah, y a rien. J'ai fait le singe pour rien du tout. Y a rien. Non, rien. Alors, je vois qu'il y a des cadavres un peu partout. C'est bizarre. Dehors, lui. Là, il y a eu un carnage. Mais ouais. Un bon carnage, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont pas de sac à dos, eux. Ah, ça c'est bien ça. Ne tire pas! Oh. Ne tire pas, pitié! Et je sais rien! C'était juste une partie comme les autres. Mais il a fallu qu'un abruti se mette à tricher et il a dégainé le premier. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, ils ont tous ouvert le feu. Ils sont tous devenus fous! Je pouvais rien faire! Rien, je te jure! Je suis pas un menteur! Bobert pourra te dire! Mais ne tire pas! Ok, je ne tire pas. Je t'écoute. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Le barman est censé survivre. Et le barman survit toujours. Ça me saoule, j'entends. Je sais pas si c'est détecteur de métaux ou. Voilà. Ok. Si on est rentré, je sais même plus. Je crois pas. Non, on peut pas casser les caisses. Très bien. Alors,
Regardez, un hérétique. Ouais, comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça. Bah ouais. Je vois que tu es un homme raisonnable, voyageur. Tu ne pointes pas ton arme sur nous et tu sembles respecter notre foi. Mais on n'a pas le temps de discuter avec toi. Pas de problème. Des paladins, des guerriers de la foi véritable. Et d'accord. Il faut qu'on triomphe des démons de l'électricité armés de notre seule foi. C'est pour ça qu'on installe les symboles saints autour de nous. On doit d'accord. Dire nos prières, car la moindre erreur pourrait nous coûter la vie. Et c'est pour ça que tu ferais mieux de partir. On va s'en aller. Peut-être comporté de la sorte, mais c'est dangereux pour un étranger de alors. Et ton incrédulité pourrait causer notre perte. D'accord. On s'en va. Ne le ouais. Ah ouais d'accord. Espèce de je sais pas quoi là qui vole. Oups. Oups. Deux fois oups. Je me suis carrément trompé de bouton. Problème de décor, je crois. J'espère récupérer 2-3 bricoles ici. Allez, on prend de la distance. Oups. Ok. Là, j'ai pas mal de munitions sur celle-là. Donc là, il y a des wagons. Ok. Ok. C'est quand même assez stressant. Je dis ça, je dis rien. Ah c'est bon ça. Dégage toi. Donne rien lui. Non. Bah. Non, c'est pas là qu'on peut monter apparemment. Même pas mal. C'est quand même pas trop mal, moi je dis.
Oh là, oui, je crois que c'est l'endroit, le fameux endroit où faut pas aller. Fameux endroit où il y a les snipers, je crois. Si je me trompe pas. Donc c'est là où il y a le... l'ours en peluche. Ok. Ça c'est bon. Génial. Malheureusement, c'est ouvert. On peut se reposer. Qu'il y aura un peu plus de choses. Alors, si on peut pas nettoyer les armes. Bah du coup non, on pourra pas. Pas trop. Donc on va. On verra après. Je vais garder le temps. Très bien, encore un petit peu de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder quand même. Hein. Voilà. On sauvegarde. Dans le doute. Voilà, c'est là où il y a le fameux ours en peluche. Aller dans l'eau. Hein. Oh là, c'est pas bon du tout là. C'est que là, je sais pas du tout comment y aller. Il y avait un passage. Non, c'était pas un passage, c'était simplement. Voilà, bon, on va revenir sur nos pas.
Je pense qu'il faut, c'est prendre les portes jaunes là. Du coup, je suis un peu dégoûté. Je pensais trouver. Donc là, on a une barque. Je pensais trouver des choses intéressantes et en fait. Insister là. Faut-il aller? Ah, c'est pas bon. Je pense que c'est pas bon du tout. Deux trois bricoles par-ci par-là. Ok. Ah ouais. Carrément. Il y a des bruits quand même inquiétants. Au bon endroit parce que là sinon j'ai pas l'air d'aller bien. D'accord. 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 J'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon. Un genre de boss, je pense. Pourtant, j'ai quand même mis une bonne slave dans la tête, mais je sais pas. Je ne sais pas. On verra. C'est quand même compliqué, hein. C'est quand même assez compliqué. Oh, c'est long à charger comme c'est long. Oh là là. Par contre, ce jeu, ouais, les chargements, ils sont ignobles. Alors. Alors. On est là. On va voir si de l'autre côté on peut faire quelque chose. Ou s'il y a quelque chose à récupérer d'important pour... Bah non. En fait on arrive... Ok. On arrive pareil. Alors. Déjà lui mettre une slave de celui-là. Et après l'autre. À moins qu'on arrive à récupérer des choses. Bah non, c'est bon. On a nounours. Voilà. En fait, il fallait simplement... Je sais pas. J'ai pas compris pourquoi avant j'ai pas réussi à l'avoir.
Donc c'est bon, on a le petit nounours, tranquille. Donc j'espère qu'on va récupérer 2-3 bricoles supplémentaires, des petits cadeaux, on sait jamais. Voilà. Des munitions par-ci par-là. Pourquoi pas? Bah non, pas plus que ça en fait. Hein. Ah ouais, carrément. J'hésite. Je sais pas quoi faire. Ok. J'aurais peut-être dû prendre le fusil sniper. Bon, tant pis. Maintenant que c'est fait. Alors. J'imagine qu'il faut prendre la tyrolienne. Puis où c'est qu'elle va nous emmener la tyrolienne ? Peut-être à notre fameux point où on doit aller. On va voir. Alors. Ah, je pense que là-bas, il faut y aller. L'endroit a l'air bizarre. Ah là, par contre, on va aller là. Ah ben voilà, ça c'est pas mal, j'ai trouvé plein de pièces. On va pouvoir se reposer. Eh ben, on va équiper. Alors. Ah quand même. Ah non, du coup, c'est pas la peine. Ben voilà, parfait. Parfait. Très bien, bah ce qu'on fait c'est qu'on se repose un petit coup, on arrête la vidéo là, comme ça je me repose et on verra dans la prochaine vidéo pour continuer dans le grand bâtiment qui est juste en face là, une genre de gare, on verra bien. Donc voilà les amis, bah je vous dis à très vite, bye bye.